que vous allez bien. Moi, je vais bien. J'ai Jana qui me surveille. Elle est juste là. Je vous retrouve pour une vidéo unboxing de la boutique Craft Art Club que j'aime beaucoup. Donc, j'ai eu plusieurs fois le partenariat avec eux. Et là, j'ai commandé des petits produits parce que je ne voulais pas encore prendre trop de choses à faire. Donc le colis a mis une quinzaine de jours, entre 10 et 15 jours je crois. Donc ce qui est très raisonnable. Donc j'ai quatre objets en fait. Donc j'ai une toile, j'ai un objet que vous voyez tout de suite et un autre objet que vous voyez tout de suite aussi. Alors j'ai la Jana qui me surveille. Donc, je vais commander ces objets. Donc là, c'est une petite boîte de rangement. Alors, Jana, elle s'échappe, elle a peur quand je prends les sachets, en fait. Voilà, ce sont des petites boîtes qui sont très pratiques pour les petites toiles de 30-40 parce que vous avez 28... Je vais baisser un peu. Vous avez 28 compartiments. Donc, c'est des compartiments qui sont... ça fait des petits boîtiers, on dirait des petits cubes, qui sont collés les uns aux autres. Comparé à... je vais vous montrer ceux de... Les piluliers de chez Action. Ils sont déjà très durs à l'ouverture. Il y a Jana qui fait la folle autour de moi. Voilà. Et donc... c'est monobloc, c'est tout un bloc en fait. Et voilà, donc écoutez, moi je préfère, c'est pareil hein, parce qu'on s'y habitue. Celui-là, je m'y suis habituée, je suis en train de faire. Non, c'est même pas ça, c'est des. Je crois que c'est des stickers que j'étais en train de faire. Voilà, j'ai mis tous les sachets dedans, c'était bien pratique, mais bon, j'aime ces petites boîtes-là, j'adore ces petites boîtes-là, elles sont super bien. Alors, comme je vous dis, moi, quand je classe, je mets pas les petites étiquettes. Enfin, voilà, c'est long, on perd du temps. Je prends mon gros feutre, comme ça, et je note 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sauf là où j'étais obligée de mettre à partir du 9, A, B, C, D, enfin, voilà. Et donc, écoutez, c'est vachement plus pratique. En plus, un petit coup d'essuie-tout avec du dissolvant dessus et tout part. Donc, moi, je trouve ça merveilleux. En plus, elles ne sont pas très chères. Et je vous dis, pour les petites toiles, c'est l'idéal. Après, il ne faut pas qu'il y ait plus de 28 coloris. Qu'est-ce que je me suis mis là? Voilà. Voilà, donc ça, c'est le premier objet. Donc, je marquerai le nom dessus parce que, comme j'en ai plusieurs de plusieurs sites... j'aime pas faire mélanger, par exemple. Enfin, là, j'ai une toile, vous voyez, j'ai une toile, donc je la ferai avec ça, forcément, s'il y a le bon nombre de couleurs. Donc là, je vais marquer Craft Art Club. Voilà, comme ça, au moins, je sais. Ensuite, dans la lignée des stylés que j'adore, j'ai pris du... Normalement, ça devait être... non, c'est pas celui-là. C'est du vert, parce que bon, green, oui, oui, j'avais commandé le vert. Alors, pareil, quand on ouvre, si j'arrive à l'ouvrir, bien évidemment, sans me péter un ongle, vous avez des embouts qui vont avec. Voilà. Oh, il est beau. Oh, il est trop beau. Ah, il est trop, trop beau. On les a bien en main. Ah, je crois que j'ai un multiplaceur de 4. Non, c'est du 3. Alors, c'est du 3, et puis après, je ne sais plus, je crois que c'est du 9, du 5 ou 6, je ne sais plus, voilà. Donc, le 4 me manque toujours. Donc, j'en ai sur un autre site où c'est du 4. Donc, en fait, j'enlève ce petit bout-là, hop, et je change. Voilà. Mais il est très beau, hein. Ça va bien avec green. Ouais, ça va bien avec green. Voilà, donc ça c'est un nouveau stylet, hop, que j'adore, voilà, deuxième objet, donc pareil, je vais marquer, hein, Craft Art Club, voilà,
Voilà. Ensuite, le troisième objet. Oh, ben, je l'ai déjà vu passer sur YouTube, mais comme je voulais prendre un petit objet sympa, en plus, c'est dans une jolie petite pochette zippée. Ah! Donc, vous avez, vous voyez ce que c'est déjà, vous avez le petit toolkit, enfin le grand toolkit, avec les diams. D'ailleurs, il y en a deux qui... Non, c'est quoi? Ah non, bah, je ne sais pas ce que... Ah si, c'est les yeux! Faut pas que je les perde, c'est les yeux, mon Dieu! Il y a des diamants, donc des strass, des demi-cercles, des demi... Oui, demi-sphères argentées un peu grosses. Hop, je remets dedans. Vous avez des strass argentés. Et vous avez donc des petits diamonds noirs. Ensuite, vous avez la barquette. Alors, elle est ronde, celle-ci. Avec le pain de cire et le stylet. Donc, ça suffit bien amplement pour faire ce petit objet. Mais évidemment, je pourrais me servir... du beau stylet vert pour rester dans la marque de ce site. Voilà. Et donc, cet objet, c'est un porte-téléphone. Donc, je l'avais vu défiler déjà. Hein. Voilà, c'est le petit panda. Le petit panda. Alors, je ne sais plus comment ça fonctionne, ce truc. Il me semble qu'il faut qu'on enfonce là. Puis, j'ai pas envie trop de le casser. D'ailleurs, il est déjà cassé, vous voyez. Il est déjà un peu fêlé. Mais devant, ça ne se verra pas. Par contre, voilà. Donc, vous faites passer comme ça. Et vous posez votre téléphone. Comme ça. Voilà. Bah, écoutez, ça, c'est sympa. Hein. Little cool boy, c'est marqué. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième, le troisième article. Donc, moi, j'aime bien. Hein. Ça va être des petits trucs qui seront... rapide sans être rapide, parce que mine de rien, c'est pas évident non plus, des fois. C'est long. Et après, j'ai pris une toile. Alors, je l'ai trouvée vraiment pas chère du tout. Je crois qu'elle fait 4 euros et quelques. Je vous marquerai les prix, là, comme je fais d'habitude, au fur et à mesure. Voilà. Alors, on va pousser un petit peu tout. C'est une 30 par 40, mais je pense que ce n'est pas... Où est ma règle? Ah, elle est là, je pensais qu'elle avait disparu. C'est une 24 par 34. Voilà, donc il y a 24 couleurs, donc ça ira parfaitement avec la boîte, ça va parfaitement avec la couleur du stylet. Cession des diamants ronds. Voilà, je vous la montre tout de suite. Ah, je vais la rouler un peu dans l'autre sens. Alors, hop, sans trop l'abîmer. Qu'elle reste. Ah ouais, mais il est mal mis le plastique, c'est pour ça, ça fait des... Le plastique, il adhère pas partout à la toile. Voilà. J'ai trouvé ça très joli, il y avait plein de couleurs et tout. Donc ça doit être super agréable à faire. Alors par contre, je vais faire coller le plastique sur toute la toile. Voilà. Voilà, là c'est mieux. Et hop, là, c'est mieux aussi que le film plastique adhère sur toute la toile. Voilà, parce que d'habitude, il y a des creux et j'ai toujours peur que la colle, elle sèche qu'il y a dessus. Et voilà. Alors, moi, je la trouve super belle. Il y a de ces couleurs. Alors, la toile est légèrement pailletée, hein, comme ils le font tous pratiquement maintenant. Je vais vous montrer les caractères de près. Voilà. Regardez les caractères. Je trouve que c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc là, vous avez la DMC ici. Et vous avez donc toute la DMC. Hop là, ici. Ouais, franchement, elle est très très jolie. Alors, on a le petit toolkit de base, hein, avec le petit stylet, le pain de cire et la barquette, mais éventuellement, je vais me servir de ce beau stylet. Et donc, nous avons les diamants ronds. Alors, les diamants ronds, en général, il n'y a pas de souci, quoi.
Ouais, j'en ai jamais eu. Hein. Hop, je me dépêche par rapport au bruit. Je sais que c'est un peu embêtant. Voilà. Voilà. Donc, 24 couleurs. Ah, je croyais que c'était... Voilà. Très, très, très jolie couleur. Enfin, vous avez vu les couleurs de la toile. Déjà, il y en a plein, plein, plein. Et c'est super beau. Alors, je vous les montre rapidement. Hein. Voilà. Voilà. Ah, c'est beau, ça, les rouges, fuchsia, corail presque fluo. Voilà, on est dans les bleus, là. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est super beau. Enfin, moi, je trouve très, très beau. Alors, le problème, c'est de les remettre bien comme il faut. Mais après, une fois que c'est fait, c'est fait. Alors, je fais doucement. Voilà. Hop, hop. Hop. Et je vais remettre dans l'emballage. Ah, c'était des 4, mais bon, non, là, ça va, c'est bien mis. Allez, on se dépêche. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, la toile est super belle. Hein. Eh bien, je vais encore me régaler. Alors, ça, est-ce que je le mettrai dans mon carnet? Oui, parce que c'est une 30-40. Donc, elle ira dans mon carnet de croquis. Le deuxième, je pense. Voilà. Ah, voilà. Ben, écoutez, moi, je suis bien contente de mes objets. Donc là, le petit panda à faire le porte-téléphone, la petite toile, le beau, beau, beau stylet vert, green, et la petite boîte pour faire. Donc, je ferai la toile et le panda avec. Alors, le panda, je ne me servirai pas de ça. Et celle-là, pour la toile, oui, par contre, je m'en servirai. En sachant que quand même, il y a des sachets qui sont bien remplis, donc il y aura des doublons. Et j'aurai une petite bande de plus de rab. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Allez vous promener sur le site, c'est super sympa. Si j'ai un code promo, je vous le mets comme d'habitude en barre d'informations avec le lien du site et des objets que j'ai choisis chez eux. Et donc, eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.